Le 17 septembre prochain, Danse avec les stars fera enfin son grand retour sur TF1. Après une édition avortée en 2020 à cause de la crise sanitaire, tout a été mis en œuvre pour que Dalle revienne en fanfare. De nombreux changements ont été prévus pour cette saison 11, notamment au niveau du jury. Également, de nouvelles règles vont faire leur entrée dans Danse avec les stars. Ainsi que de nouveaux chorégraphes. Mais pas de panique pour les habitués de la célèbre émission de danse. Des danseurs emblématiques du programme seront bel et bien présents pour cette saison 11. C'est notamment le cas de Maxime de Rémé, dont la présence a malheureusement été compromise à cause d'un gros souci de santé. Ce début de saison fut très compliqué, a lancé l'ancien partenaire de Clara Morgan sous une photo de lui avec des lunettes de soleil. Et pour cause, le danseur âgé de 39 ans a bien failli perdre un œil. En raison d'une infection à l'œil. Appelé kératite, j'ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon œil. Attention aux porteurs de lentilles, a-t-il prévenu sur Instagram. Malgré les nombreuses précautions qu'il a toujours pu entendre. Maxime de Rémé confie ne les avoir jamais vraiment suivis. On m'a souvent prévenu et je n'ai jamais été très précautionneux. J'en fais les frais aujourd'hui ou presque. Confie-t-il avec une certaine amertume. Résultat, il va devoir porter des lunettes de soleil pendant toute la saison de Danse avec les stars afin de protéger son œil. Une nouvelle qui a évidemment retenu l'attention des internautes. Prends bien soin de toi. Courage Maxime, bon courage pour les répètes, bon rétablissement mon Max. Hâte de te revoir dans Dalle, prends soin de toi, ont-ils été nombreux à réagir. Les fans de Maxime de Rémé n'espèrent maintenant qu'une chose, qu'il remporte le très convoité trophée de danse avec les stars.